Favelas, on peut parler de ce même scénario, c'est une favela, donc il y a vraiment
c'est une mondiale magnifique qui est vraiment très graphique en fait. Elle change tout le temps. Évidemment, la lumière, en fait, elle est incroyable. Le ciel de Caracas, c'est incroyable parce qu'il y a ce dessin de cette montagne qui on le voit tous en fait. On est tous liés à cette montagne. Et surtout, il y a le nord en fait, dans la ville. J'ai vu notre image. C'est bizarre. Ah, c'est décalé en fait. Là, c'est bon. Pardon. C'est très étrange. Là, c'est bon. C'est pas la même image. Ah oui, ça, c'est la prochaine. C'est un peu décalé en fait. Bon, bref, on continue. Là, c'est c'est les bâtiments, les tours les plus hautes de Caracas. C'est la complexe qui a été faite dans les années 70. Et mon frère habite quelque part par ici. Mon frère, c'est le seul qui reste à Venezuela. Je ne vais pas parler de Venezuela, mais un petit peu juste pour contexte. En fait. Donc, dans les années en 98, il y a eu un changement de gouvernement très très important. Donc, il y a une sorte de socialiste. Le gros socialisme s'est installé en fait, donc je pense à une dictature, hein, que c'est le même président qui est les mêmes gens qui sont en régime depuis cette époque-là. Donc, je suis parti en 2001 et c'était vraiment le début en fait, le début des changements politiques et des changements de la liberté, de la culture. De tout, en fait. Dans cet endroit-là, j'ai traîné beaucoup en fait, parce qu'il y a, cet endroit-là, le musée d'art contemporain de Sophia Hilaire est à la place. C'est un musée d'art contemporain très important, qui était le plus important de l'Amérique latine très longtemps. Caracas est rempli d'art, en fait. Donc là, c'est Diego, qui était très important parce que. Il avait, pour moi en fait, très important parce que j'étais fasciné par ces livres et ces structures-là, ces réticules-là, c'est des espaces en fait qu'il faisait avec des morceaux de métal qu'il articulait de certaines manières. Donc, il s'intéressait vraiment à l'espace plutôt qu'à la lumière même. Et moi, plus tard dans ma vie, en fait, aujourd'hui, ça a beaucoup à voir avec ça en fait, et je l'ai vu bien pour ça. Mais l'identité artistique, culturelle au Venezuela, elle est très. Il y a beaucoup d'art public en fait, et on voit dans tous les bâtiments, on voit beaucoup des livres, beaucoup de graphismes, tout est lié en fait à une certaine manière de modernisme en fait. Un modernisme qui est rentré dans les années 50, 60 en Amérique latine. Et qui est un peu liée partout. Donc, Gecko, j'aime beaucoup parce qu'elle utilise la ligne avec une abstraction géométrique, elle est très, très organique aussi. Et ça, je l'ai vu bien plus tard. Donc, il y a Rafael Soto qui est aussi un monument de l'art ingénieur, qui est lié à l'abstraction géométrique. En 2005, il est mort en 2005, je l'ai dessiné en fait, on a fait une session de travail avec lui, et on a fait des portraits de lui, je n'ai pas tout le dessin, mais je ne sais pas si vous avez vu ce genre de travail-là, ils sont assez connus en fait, ces œuvres-là. On peut montrer dans mes œuvres, en fait, c'est une sorte de ligne, des câbles en plastique en fait, et ça c'est une image magnifique. Jeune qui a la tête. Donc, ça, c'est un travail beaucoup. Ah oui, pardon, on est décalé, désolé. Pourquoi? Bon, ça, c'est un travail très. Ça doit faire 70 par 70. Et c'est aussi là, à l'époque, que c'est à la main, il tordait en fait les filles à la main. Il les mettait devant. Et tous ces lignes parlent à Nancy, ça, je trouve ça le plus beau en fait de son travail, parce qu'après c'est des micros
par exemple Canic, en fait, Carlos Cousbier, je ne sais pas si vous connaissez aussi, ils ont tous travaillé à Paris, ils ont vécu en France très longtemps. Et là, c'est une œuvre voilà, qui a été un cas aussi très important. Alors, comme dans les années du chavisme, en fait, Chavez, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, c'est cette œuvre-là dont je vous parlais. Donc, c'est là, on la voit partout, donc c'est vraiment dans les Caracas, c'est une œuvre que tout le monde passe par là. Et elle a été installée dans les années 80, et puis dans les années 90, pas 90 pour mon régime est arrivé, donc un chaos total. Bah, les gens, ils ont volé, c'était fait en cuivre, donc les gens, ils volaient tout, et puis là, elle était complètement nue. Après, ça, c'est Abbasional, qui est la nôtre, qui s'appelle Alejandro Tello. C'est vraiment un diaporama des arts, du type d'art qui est vraiment très centré pour les tous les gens du Venezuela pour la faire avancer. Donc, après, c'est là, en fait, là, dans les années, là, c'était en 1997, j'ai rencontré Félix Bernard, qui était mon premier prof, en fait, mon seul prof au Venezuela. Je dessinais, en fait, depuis tout gamin. Mes parents, enfin, ma mère était peintre, ma grand-mère aussi. Pas professionnelle, mais bon, il y avait la peinture à la maison un peu partout. Voilà, j'avais un cerveau, en fait, je voulais faire ça depuis tout petit. C'était clair pour moi que c'était le chemin qui allait pour moi. Mais c'était pas jusqu'à ce que j'ai rencontré Félix qui m'a donné l'envie d'être vraiment un artiste à 100%, parce qu'avant c'était dans mon attente qu'il disait non, tu vas faire tête de talent, mais tu vas être un graphic designer, ou tu vas être un architecte, ou voilà, un vrai métier en fait. Le métier artiste, c'était surtout ayant l'exemple de ma mère qui n'a jamais fait carrière en fait. Donc tout le monde voulait vraiment que je m'oriente tout ça, quelque chose de plus concret. Mais Félix Bernard, qui était quelqu'un de très très simple, j'étais son apprenti en fait. Voilà, donc je travaillais chez lui, j'allais l'aider en fait avec ses peintures. Voilà, ce que vous voyez derrière, c'est une grande peinture en fait à la clinique, en fait, et il faisait, en fait, il gérait ses toiles par terre, donc on marchait dans son atelier, dans des toiles très très sales. Et bon, c'était bien bien sale, donc elle les accrochait au mur. Moi je les accrochais au mur, en fait, et là il commençait à avoir voilà, des lavis, comme des pluies en fait, d'acrylique, il y avait beaucoup beaucoup de bouche. Et quand c'était bien chargé, en fait, il y avait vraiment, c'était comme un Bosco, ben, voilà, il y avait quelque chose de très, très abstrait, mais il venait après la fin avec un pinceau très très fin et dessinait une petite tasse. Et puis il s'appelait, voilà, il y avait la tasse, et puis après, évidemment, l'ombre de la tasse, et ça donnait une profondeur incroyable. Donc là, on ne le voit pas parce que c'est une image, mais voilà, il m'a marqué énormément parce qu'il m'a montré, j'étais très classique, je dessinais beaucoup. Chose en fait, c'était très bon copiste. Mais là, c'était une autre manière de représenter l'espace et un peu inspiré ça. Donc là, pour l'expo que j'ai eu à Paris en 2015, à la galerie Castellane, j'ai fait, quand il est mort, en fait, j'avais ça, je voulais faire un hommage, donc ça s'est dû dire à la Félix. Parce que mon premier cours de dessin, c'était avec lui, donc il m'a dit voilà, tu vas sortir. Tu vas dessiner la pluie. Alors, là, ça a sauté. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est du lien à la Félix. C'est un dessin de 5 mètres, enfin 275 par 5 mètres. Et c'est la gouache, le fond c'est au gouache. Et puis après, tout ce qui est noyé au noir, c'est le crayon papier, enfin graphite. Donc tout ce que vous voyez comme. Voilà, ça c'est la pluie en fait, c'est vraiment une photo dans un sous-sol, un mur d'un sous-sol. Là, il y avait une partie qui est effacée à l'eau. Et
travaillais, c'était vraiment pas très loin de ça, en fait. Donc, le Musée d'art contemporain, les Caracas, qui, mais ça, c'est un artiste qui est venu, en fait, parce que quand Chavez était avec les Caracas, donc, par rapport il a destitué en 2001 Sophia Inga, qui était la personne la plus importante de l'art contemporain en Amérique latine. Vraiment, elle avait une collection incroyable, c'est elle qui a fondé le musée en 1973. Et puis en 2001, voilà, c'était fini. L'institution est toujours là, mais il n'y a plus. Ils ont mis un militaire à la tête. Enfin, voilà, il y avait des Picasso qui s'est retrouvé dans les maisons des gens au pouvoir. Enfin, c'était un désastre pour la culture. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti. Parce qu'étant artiste, donc, j'avais un oncle qui était un designer graphique, qui m'a dit bah, écoute, c'est le moment de partir. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais en 2001, il m'a dit bah, il m'a donné 400 euros, et tout part. Donc, avant de venir, j'étais dans le ciné de Romain, en fait. Donc, c'était donc, les 5 couleurs des groupes. Au Sophia Inga, donc dans le musée, il y avait un cercle d'artistes, en fait, mais j'étais le plus jeune, en fait. Le seul jeune, après, c'était des artistes consacrés. Donc, j'ai eu un ami qui m'a dit bien, fais son toit, dis, tu veux participer. Donc, c'était tous les lundis aux sessions avec des très 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 bons modèles, en fait, des gens qui venaient de la danse contemporaine. Donc c'était pas juste le dessin classique, il y avait vraiment des artistes, il y avait chacun avait sa patte. C'était pas la copie non plus. Donc, c'est là où j'ai découvert la ligne, en fait, la ligne pure. Donc je dessinais ça le plus pur possible, aller direct pour le dessin sur. Mais c'est un préparatoire, ça m'a beaucoup aidé, c'était un peu ma première école, en fait. Alors là, pour reparler un peu de ce qui s'est passé politiquement, en fait, je vous médite, hein, quand j'ai pas la lumière, je dis n'importe quoi. Alors là, c'est une photo de que j'ai piqué à notre artiste de l'Union qui devrait être ici, qui donnait une conférence, et il y avait cette image en fait, qui parlait un peu du moment où le gouvernement a décidé de remplacer tous les locaux qui avaient été faits par des gens très importants, des artistes, d'ailleurs, qui ont dessiné ça, en fait, on connaissait tout ça, en fait, justement. On connaissait toutes les institutions avec ces locaux, ben, le gouvernement a choisi pour tout le nombre du musée, et puis ce logo-là qui est en fait, il voulait revenir, en fait, redonner l'importance à des glyphes qui ont été trouvés en fait en Amazonie. Des diamants très anciens, en fait, vraiment des dessins très anciens. Et voilà, ça veut dire Caracas, mais on voyait dans l'île. Donc c'est vraiment quelque chose qui a. Il a décidé de se féminiser même l'image, en fait. Donc il a réduit en fait toute la culture visuelle qu'on avait, toute l'identité visuelle qu'on avait, tout s'appuie, et puis voilà, on est en train de faire. Donc après, quand je suis quitté le Venezuela, donc je suis parti à Mandela. C'est une belle photo de mon université, c'est très joli, très de l'art, en fait. Mandela, donc, c'est vraiment une ville qui est dans ce qu'on appelle le Midwest des États-Unis, mais vous voyez, c'est très à l'est, en fait. Et bon, l'anecdote, c'est qu'en fait, à l'époque, quand nous avons commencé à nommer cette zone le Midwest, en fait, les États-Unis arrivaient jusqu'au Mississippi. En fait. Et le reste, c'était français, les Espagnols, en fait. Donc, c'est bien après qu'ils ont gagné tout le reste, ils ont quitté le reste, etc. Donc, voilà, donc, l'Indiana, cette université, c'était très important pour moi parce que j'ai eu un moment où il y avait vraiment beaucoup de moyens de faire tout. Donc, je vois ici, vos ateliers sont magnifiques et ça me rappelle un peu ce temps que j'ai passé là, en fait, où j'ai appris tout, en fait. Toutes les techniques de moi-même. J'ai travaillé beaucoup le bois, beaucoup la nervure, en fait.
et ils m'ont tout donné en fait. Alors en fait, c'était, j'ai pas lu un livre sur l'art, j'avais aucune idée sur la contemporaine, c'était très lié en fait. J'étais super en prof de l'histoire de l'art, mais plutôt au conseil, en fait, j'étais amoureux du baroque et j'étais rentré là-dessus. Mais c'est vers la fin de mes études là-bas où j'ai commencé à m'intéresser au français et j'ai commencé à aller en bataille avec Derrida et voilà, on était tous amoureux de cette langue. Et je me suis dit, voilà, il faudrait vraiment que je trouve le moyen d'aller en France. Et on est retrouvé en fait, je me suis retrouvé à Saint-Étienne où j'ai fait la fac. Donc, là, j'attendais à voir les toits rouges en fait de la France, tout ça, tous les champs de la bande. Et puis la vue était rentrée en fait, parce qu'ils faisaient des travaux. Donc c'était un moment de dérogation d'aller voir la ville, en fait, sortir, et puis on n'a pas la photo, la première chose, vraiment sortir, aller voir, en fait, photographier cette ville ancienne que. Il faut se dire aussi que, voilà, en Amérique, le continent, il y a très peu de choses vieilles qui ne sont pas. En fait, si vous êtes ancienne, voilà, c'était pas. Je sais pas, au Mexique ou en Colombie, il y en a un petit peu, mais le reste, il y a un peu au Pérou, mais le reste, il n'y a pas vraiment de l'ancien. Et ici, il y a vraiment beaucoup de l'ancien. Donc, pour moi, penser à ça, à la ville en couche, en fait, c'était très, très nouveau pour moi. Donc là, une des choses que je m'intéressais à mon partir des États-Unis, c'était au taoïsme et puis à la peinture chinoise. Et en trouvant. En France, il y a ce goudron qui est très puissant. En fait. Et tout ce qui est tache de brune ou tache de n'importe quelle tache dans la roue, quand on sèche comme vite, elle laisse cette tache comme ça. Donc c'était très lié à mon dessin, en fait, à la peinture chinoise. Et pour moi, c'était plus de la saleté. Et c'était un peu la première manière de sublimer le sale, en fait. C'est de sublimer les tâches. Donc j'étais vraiment en lié à ça. En fait. J'ai fait beaucoup de recherches. Vraiment le début de cette déambulation où j'ai commencé à trouver des traces en œuvre. Donc là, à ce moment-là, je dessinais encore très lié au corps et à la figure et aussi au dessin un peu plus focus. Donc j'ai commencé à dessiner aussi des tâches. Et dans l'Anthony Madoff, donc c'était un dessin de Miami en fait, portrait, et Julie était en plein dedans, dans Bataille en fait, genre de bataille, et puis très lié au surréalisme, ça m'intéressait beaucoup, donc voilà, ça c'était un peu mes derniers dessins en fait figuratifs. Après, je jouais un peu avec le texte, French Star, donc une étoile dans ce genre, je ne sais pas comment traiter ça. C'était un peu mon dernier dessin, vraiment figuratif. Après, je suis rentré vraiment de la tâche, ça c'était la suite de ma première expo en France. J'ai fait des petites expos aux États-Unis, mais vraiment, pas très. Voilà, c'était. Dans des très très petits endroits. Donc là, c'était la première expo au Galerie. Et où je dessine, en fait, tout est dessiné au crayon, il n'y a pas d'eau, je vais vraiment imiter la peinture, en fait, commencer de l'imitation de la peinture comme dessinateur. Donc, voilà. Là, on voit, en fait, évidemment, partie de ce choc culturel aussi. C'est cette époque-là, mon dessin, qu'il y avait beaucoup parlé, beaucoup de. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de 35 heures. C'était passé à ce moment-là. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ce dessin à ce moment-là, mais je ne me souviens plus. Mais bon, c'était un projet d'un dessin que j'ai commencé pendant une semaine. Ça existait pas, c'était fini au Venezuela, en fait, mais
les translateurs, ça me paraissait tellement bizarre comme contrainte laborale. Et je comprends évidemment la laborale, en fait. Je comprends très, très bien, mais à l'époque, c'était très drôle parce que tout le monde, on s'est moqué de ça. Voilà, j'avais 3 euros aux États-Unis pour pouvoir payer mes études, et puis voilà, ici, on a vraiment des... Donc c'était ça, j'ai pu faire un dessin par rapport à ça, et c'est, voilà, j'ai commencé une vidéo, j'ai fait un time-lapse de mon dessin, en fait, c'était une chambre de Prusse, qui était, voilà, elle avait 8 carrés, mais pas bien. Et puis ça, c'était un grand dessin, c'était le plus grand dessin que j'ai fait jusqu'à l'époque. Et 1m50 par 3 mètres. Et j'ai commencé et j'ai fait 35 heures de dessin, de dessiner pendant 35 heures. Et vous voyez, c'est pas très fini là-bas, donc voilà, au bout de 35 heures, puis, c'était un premier projet en fait pour l'école. J'étais à la fac et pas à l'école de Beaux-Arts. Il était intéressant pour moi parce que aux États-Unis, j'avais toute la liberté, j'ai pu tout faire. Donc tous les ateliers ont une totale liberté de faire la gadoue. Mais là, ici, à Saint-Étienne, on ne pouvait pas faire des tâches rapidement, tout était hyper propre. On ne pouvait rien laisser derrière, c'était très, voilà, des contraintes hyper fortes. Donc voilà, j'avais ma chambre pour pouvoir m'exprimer. Donc ça, c'est un dessin de l'impression de mon type de Robert Rauschenberg qui était très influent pour moi. Et donc il a le geste le plus simple, il a ancré ce pneu et il a imprimé sur un rouleau de papier. Voilà. Donc je suis allé à l'opposé de cette simplicité et aussi voilà, j'ai dessiné cette tâche un peu en fait aussi au crayon. J'ai travaillé un peu avec. J'étais entre l'espagnol, l'anglais et le français. Donc voilà, c'est Mucha Ink. Donc, je voulais mettre dans ce dessin, il n'y a aucune trace d'eau ni d'encre. Donc, c'était vraiment un pseudo dessin conceptuel. Et qui m'a pris beaucoup de temps, je n'ai jamais fini. Et voilà, j'étais très loin. Et c'est surtout de parler de cette impossibilité de. D'utiliser l'espace comme je voulais en fait, vraiment de la photo plus à l'autre. Et vous voyez vite, tout est pas partout en fait, dans la chaîne, mais je n'ai pas beaucoup d'expression. Après, l'autre artiste qui m'a beaucoup inspiré, c'était Roy Lichtenstein qui était. Et c'est surtout cette série en fait. Il y a certains artistes qui m'intéressent vraiment beaucoup bien ce qu'ils ont fait, beaucoup de séries. C'est pas vraiment l'artiste complet. Il y a beaucoup de choses de Roy que je n'ai pas beaucoup, mais là ça m'a beaucoup influencé, surtout ce dessin-là en fait. Donc ma première expo à Paris, c'était à la galerie à Schönbrunnstein, qui était en petite galerie dans la rue Glass, c'était ma version de ce dessin-là. Donc, redessiner en fait, une reconduite utile pour. En fait, déjà, Roy, c'est une représentation de la représentation. Donc, il dessinait sur coup de pinceau à sa manière, en fait. Donc, il dessinait la peinture à sa manière. Il faisait ça avec la peinture. Donc, il va se monter à coup de pinceau. Et moi, je rendais ça, en fait, je rendais ça visuellement encore plus sur la tête. Mais aussi, sans aucune doute, peinture, c'était aussi dessiné. Donc c'était vraiment un exercice de peinture et de dessin. Donc ça, c'est vraiment que du graphite. Là aussi, c'est un peu plus grand. Donc là, c'était 141 par 209. Donc c'était pareil. C'était vraiment le début de la présentation.
Ça suivait aussi mon intérêt pour la peinture interviste aussi. Donc, vraiment, c'était un travail presque méditatif, mais pas du tout, parce que je suis très concentré. Donc, en fait, ça a l'air spontané, mais ça ne l'est pas en fait. Donc, j'en revenais spontané visuellement entre le travail et en le rendant beaucoup plus difficile, parce que Roy avait fait lui-même avec son patron. Donc, on a aussi, j'ai créé des moments avec le titre, avec la machine à écrire pour détacher. Ah, moi j'avais une signature très directe, très grande. Et je signais tout comme ça. Et quand j'ai commencé à faire ce travail-là, où ça m'a paraissé stupide de re-signer en fait dessus avec un geste manuel. Donc j'ai commencé à faire ce distancement de geste personnel. En mettant le titre et la signature avec un moyen mécanique. Ça, c'était mon phrase de mer, parce que chez moi, il y avait un peu de fond, et là, vous voyez un peu la taille de la boue. Tout ça, c'était ma première expérience, je pense. Ça, c'est une des comités de mon jeu. Pourquoi les choses que vous voulez le regarder, je suis allé prendre des photos de tous les objets en fait,
et il retenait cette silhouette qui est très concrète, parce que si Duchamp a dit, en fait, qu'on a fait le rivard, la structure rivard, et que cette silhouette avait l'impression de tout, en fait, il pourrait représenter une fontaine, et il pourrait représenter une Madonna, une chaise, ça peut faire vraiment beaucoup de choses, ou un Bouddha assis, ou voilà. Et là, j'ai fait une série qui s'appelle Stains and the Black. Donc, celui-là, c'était Stains and the Black, a fountain. Après, Stains and the Black, like a heart. Et là, c'est un urinal. Stains and the Black, Madonna. Donc, ils avaient tous, en fait, une représentation différente. À l'époque, c'était vraiment beaucoup de ça à la télé. Puis, voilà, j'ai fait une série de 7. Il y avait une qui s'était un autre artiste qui m'a beaucoup influencé la vie. C'est un marron.
Et puis la partie que je dessine, c'est la partie claire. Donc la couleur, c'est ça. Et c'est tout ça. Donc je dessine à l'envers. C'est tout ce que vous voyez en trace. C'est ce qui est la réserve. Donc ce qui est, vous voyez un peu ce contraste entre le crayon couleur qui est un peu cireux et puis la gouache qui est très très mate. Ça fait un effet très, très intéressant. Donc on voit plus la nuit qui n'existe pas. Donc cette série s'appelle IA, et c'est une série que j'ai commencé il y a une dizaine d'années en fait. Donc IA, ça veut dire Evidence of Absence. Donc la preuve de l'absence, ça s'est traduit un peu comme ça. Donc la preuve de l'absence, c'est parce que je dessine par l'absence du dessin. C'est un peu ça le concept de cette série. Donc là, encore une fois, voilà, c'est des traces en fait, que je trouve dans la rue. Donc des effacements m'intéressaient beaucoup parce que c'est des gestes qui ne sont pas faits pour faire gestes. En fait. Ça m'intéresse énormément dans l'abstraction. Et on ne peut pas parler des vraies abstractions parce que c'est... je fais une représentation très, très concrète de quelque chose qui est vu comme réel en fait. Donc ça m'intéressait aussi de rendre hommage à des traces qui ne sont pas faites pour. En fait, c'est qu'on fait un portrait, hein, le portrait d'une tâche de guitare. Donner autant de mal pour dessiner une tâche comme ça, on le ferait pour faire un portrait d'une personne. Et donc, tout ce que vous voyez là, en fait, ça c'est le creux de la toile, et la partie noire c'est la partie dessinée. Donc tout ce que vous voyez comme trace, c'est vraiment inventé par le remplissage du noir. Et là, s'il y a des parties un chiffon, il est effacé, c'est vraiment, je me suis donné la peine de dessiner comme ce mouvement du noir qui n'existe pas. Donc ce travail pictural m'intéressait beaucoup. Donc, là, c'est un tout petit, comme ça c'est un petit format, et vous voyez un peu le détail en fait. Et là, vous voyez un peu le grain du crayon et de la détail. Là, c'est un premier expo à l'exercice global. Ça, c'est Fronton. Fronton, c'était un grand dessin. C'est un fictif. Donc 274 par 6 mètres. Toujours 3 en fait, c'est fait sur des tableaux que j'ai fait moi-même, mais c'est toujours 3 sur du même dessin. Donc là, pareil, en fait, c'était un monochrome, je pars d'un monochrome de gouache qui est cette couleur-là, d'un vert, un émeraude. Et tout ça, c'est dessiné. Hein. Donc il y avait à Saint-Étienne ce mur avec un gamin joué en fait dans son cours. Et puis pour l'espace où il est exposé, c'est ici en fait, entre la galerie, il y a à peu près 20 mètres de distance. Donc on retrouve toutes ces troupes en fait en position de chuter en fait aussi. Donc c'était intéressant de le faire pour celui-là. L'espace me donnait aussi du sens où j'ai fait ce geste qui est vraiment dessiné avec des 300 crayons pour dessiner tout ça. Ouais. Et, mais ce que tu vois, c'est vraiment ce fronton et tout ce qui va rouler là-bas. En fait, on s'est mis en situation. En fait. Donc, et c'était ce rapport du peintre qui agit dans la toile. Et c'est lui qui a où l'action elle est à distance. Donc c'était un peu ça que. Là, ici à côté, à l'angle, c'était un tableau qui s'appelle Speed Drawing. Et ça peut. J'ai une photographie, j'ai pas des photos de ça en fait. Mais ça, c'est un angle en fait, un tableau d'angle. Donc j'ai commencé à remarquer dans les rues en fait, dans les photos de Saint-Étienne, les gens. Dans les sous-bâtiments des bâtiments. Donc il y a des endroits où
jour pour tout le passage. Et il y a un train qui s'efforme et c'est hyper compliqué. Donc on se détache de ce qui c'est en fait. On peut trouver aussi sublimation de. Ce qui m'intéressait, c'est le côté partout. En fait. J'ai fait cette peinture, on redessinant un peu cette trame de Tachère en fait, qui a fait cette série Inspector. Encore une fois, c'est un geste fait par quelqu'un d'autre qui m'intéressait pour faire la peinture. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce geste-là, c'est la gravité de la peinture. Donc, l'artiste, le premier artiste qui a décidé dans son atelier de laisser que la peinture elle coule et le laisser en fait, pas ni effacer la peinture coule, j'efface moi. Ben, je la laisse couler et puis ça fait partie de l'expression. Donc ça m'intéresse de penser à cet artiste qui a laissé faire en fait, la première fois, c'était un peu le début de la recette en fait. Donc avant, on contrôlait tout. Après, dans l'abstraction, on contrôlait beaucoup moins. Et moi, en faisant l'abstraction, ben, je contrôle tout dans la table aussi. Donc c'est un peu un va-et-vient entre tout ça. Ça, c'est encore un des grands formats, en fait. Là, c'était des photos d'une bête, des adultes, en fait. Et il y a la roue, il y a tout ça en fait. Donc vraiment, c'était un exercice de visuel. Encore une fois, dessins, les crayons étaient roses, et puis le fond, il est plus humain. Donc, celui-là, il était très très difficile à faire. C'était une vraie bataille. Donc là, on a cet objet aussi au milieu, en fait, c'est une sculpture en fait, en bleu. J'ai fait aussi en tordant la toile, en fait, que j'ai appuyé par la toile déjà peinte avec les rouages, et j'ai redessiné, j'ai interprété quel genre d'accident pourrait avoir cet objet-là, en fait. Donc, il était laissé dans une belle, comment il aurait pu vieillir, en fait. Donc c'est l'interprétation d'un vrai volume avec des vrais traits, un historique qui a inventé un historique faux en fait, parce que tout s'efface, n'existe vraiment pas. Donc ils sont tous un peu comme ça en fait. Il y a un départ photographique, mais j'invente l'abstraction. Et là, c'était à faire les repères en fait, comme vous avez dit ici. Et moi, en train de travailler avec l'atelier à Béla. Les angles m'intéressaient vraiment parce que c'est dans les angles il y a le plus. Les gens, ça m'intéressait aussi de savoir que voilà, les gens choisissent de faire ce geste-là. Cacher par terre, même cacher au mur, on le croit quand même. Et pourquoi pas cacher par terre, c'est la forêt, c'est la partager. Donc voilà. Là, c'était une série de. J'avais les refuges, où le mot en anglais c'est refuse, ce qu'on jette et ce qui reste. Donc ça, c'est des photos des gros camions mêmes où on jette la peinture industrielle. Il y a toujours de la peinture qui sort dehors du camion. Je ne sais pas si vous les voyez dans l'autoroute, mais pas souvent. En fait. Ils sont très très sales. Ils ont des très belles peintures qui coulent en fait. Des couleurs, plein de couleurs différentes, des choses qui sont restées. Donc j'ai voulu faire une interprétation de ça. Et au lieu de la faire refuse comme quelque chose qu'on jette, la refuse parce que c'est vraiment quelque chose qui. D'ampleur par la taille de camion. Là, c'était le 3 Pologne. Ça, c'était un peu un dessin libre, en fait, très actuel. Mais en prenant ces traces que j'ai déjà appris, donc là, c'est la première fois que j'avais exposé mon volume. Et j'avais fait cet escalier, en fait,
ce moment-là, on était en train de refaire mon atelier, et puis il y avait dans les escaliers, on avait fait beaucoup de traces de plâtre par terre, en remontant des sommets des escaliers. Donc, j'ai fait cet escalier par terre, cet escalier tableau, en fait, à Sèche chez des Indes, et puis voilà, toutes les traces qu'on pouvait avoir, en fait, au bord de froid, le dessin qui fait la chose. Là, c'est un dessin qui est très récent, en fait, qui est encore dessiné la peinture, en fait. Là, c'est une gestuelle, c'est une série de traces qui sont venues d'un capot d'allumoir, en fait, dans nos zones. Donc, quand je suis rentré avec les paquets, quand je suis rentré, j'ai vu que le toit du camion était très sale, mais avec sa tête, il me faisait tout. Voilà, ça c'est en fait. J'ai repris la photo de ça, et c'était cette photo qui est. Enfin, cette série-là qui est venue. Là, c'est encore une série. Là, c'est un dessin très récent, là, 2021, où c'est beaucoup plus dur. Je laisse aussi le fond faire peinture, en fait. Donc là, ici, vous voyez vraiment une gestion très, très ouverte, où je laisse. Là, c'est un dessin beaucoup plus petit, 40-35, vous voyez un peu la trame en fait. Donc là, c'est des dessins libres, où j'ai des photos, où je dessine à n'importe où, mais en fait, c'est vraiment, je commence à faire ma propre abstraction. Ça m'intéresse comme type de dessin parce que tu n'es pas attaché à un design. Et là, voilà, c'est un petit. Comment c'est ce genre de dessin qui est très libre. Commencer avec, vous voyez, une partie, le petit quartier du grand pont en profil. Et là, vous voyez un peu le tous les autres ont été faits de cette manière-là. Le paragraphe, mais avec une gestion. Là, c'est la photo, la reproduction de cette image-là. Là, c'est une photo d'une image de Cortel aussi, qui est venue au même moment que c'est la. La photo de Julia Palafelis. Du coup, il y a les graffitis faits par les gamins parce que c'est à côté d'une école. Et voilà, c'est ce matin. Ça, c'est à l'atelier. Donc, vous voyez l'étoile par terre. Et ça, c'est mon stater qui est en train de faire le sépaya, de faire un fond de sépa, de faire des fonds hyper lisses. Déjà, la toile, elle est préparée. Il y a 7 couches de gesso, donc elle était très très lisse, presque un papier. Ce qui me permet après de faire un dessin aussi de près. Là, c'était un peu le chantier de printemps. Il y a un peu des pinceaux, il n'y a pas de pinceaux, mais c'est des crayons. Là, c'est un autre portail, en fait. Et là, c'est un vrai portail que j'ai fait faire par des années, en fait, quand on a eu. Et ça, c'est un vrai portail qui existe à Beyrouth, en fait, où j'ai pris la photo, ça existe encore une fois, à côté d'Annecy, où il y a vraiment plein de traces des gens qui passaient. Donc il y a MS, ils sont en Beyrouth, ils sont en Beyrouth. Et puis toutes les dates, en fait, vraiment, c'était intéressant de trouver toutes les traces. Ça revient au graffiti, je pense que c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles. Alice Cornier aussi a trouvé du sens qu'il travaille ici à Combray, en fait, au musée. Je suis intéressé par ce genre de travail-là. Donc là, c'est beaucoup de dessiner, en fait, pareil, il n'y a pas de traces vraiment de doigts, tout est dessiné au crayon. Et c'est un des vrais volumes, mais j'ai accentué avec la couleur parce que j'ai une part de photo. Donc ce que vous voyez, c'est une photo, en fait. Dans la photo, il y avait un peu ces différentes couleurs-là, en fait. Mais à la lumière, quand tu. En fait, j'ai redessiné même l'effet lumière, en fait. Donc là, c'est plus foncé que ça, et ça. Voilà, ça c'est le chantier et tout ça. Ça c'est mes photos
c'est dans le groupe que je travaille, je m'approche et puis je copie à côté de ce qu'il y a. Donc, comme vous voyez, vraiment, il y a pas de gestuelle du bras, mais c'est vraiment quelque chose qui vient du poing et des jambes. Et là, les demi mises à jour. Donc, il est roulé vraiment, en fait, il y a des roues là en bas, et puis elle était sur un rail. Je suis curieux de savoir, il était en bus, je suis curieux de savoir comment elle était exposée aujourd'hui, s'ils ont mis un rail ou pas. Et là, c'est aussi encore en métal, pas en galion, parce que la voie, elle n'est pas en galion, et puis après, c'est bien les symboles. Et encore une fois, c'est voilà, interpréter des traces qui pourraient arriver à ce moment-là. Je plie d'abord la toile, et je peins la gouache, et puis après je dessine dessus qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là. Et là, c'est lié à des graffitis que j'avais trouvé aussi. Là, c'est écrit là, moi. Et là, je repars aussi avec cette scène magnifique qui a été tournée dans les années 1900, mais c'est une dalle de Saint-Mélec, en fait, où il y a un plan. La plus ancienne carte géographique qui a été trouvée, je ne sais pas si vous avez vu, ça c'était sorti il y a à peu près 6 mois, c'était dans les musées encore, en fait, ils ont arrivé. Et ils ont fait des études plus approfondies pour se souvenir, là, c'était vraiment. Voilà, c'est 1600 avant notre ère, c'est énorme. Et comme je disais, à l'époque là, on avait déjà l'impression de dessiner l'espace. L'une des plus anciennes traces d'Afrique. Et là, ça a donné, en fait, du sens à ce projet que j'ai fait depuis 2015, qui s'appelle Terra Incognita, donc TI, en fait, où je prends des photos, en prenant des photos dans la rue, des traces, tout ça. J'ai commencé à répertorier des diagrammes des camions, en fait, dans les portières des camions, et où des choses qui ressemblaient à des plans, en fait. Il y a vraiment un thème ici parce que c'est vraiment tout pour les camions blancs des artisans qui travaillent à Paris et qui arrivent dans un quartier. Au lieu de faire tout sur un papier, ils le font de la salle de leur voiture. Et il y en a vraiment partout. Et depuis que j'ai commencé à regarder, j'ai tous les jours de temps. Donc j'ai une centaine et puis j'ai commencé à faire ces cartes. Je ne sais pas. Ce qui ça veut dire, c'est un dessin très intime entre deux personnes. Et ça m'intéressait beaucoup de voilà, rendre hommage à ce geste-là et puis de le dessiner voilà, exactement comme je l'ai trouvé dans la photo. Donc c'est un vrai lieu, c'est une vraie chose, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais bon, ils existent en fait. Donc c'est ça, c'est une notion de terre incognita, mais c'est tous ces lieux qui, on sait qu'ils existent, mais on ne sait pas ce qu'ils sont. Qui c'est tout pour nous. Et je le dessine tel quel, en fait, avec des vraies tâches, des vraies. Et ça m'intéressait beaucoup de retrouver aussi l'identité de la personne qui l'a dessiné au départ. Et encore une distinction entre l'expansion du geste, en fait. Là, c'est une série qui est ouverte, donc chaque année, je refais 3 ou 4, puis il y aura. Et voilà, ça c'est un vidéo que j'ai fait aussi au début de la conférence. Magnifique, j'ai fait un scan
le second, avec tous ces traces, qui ont provoqué des peintures. Pour moi, c'était vraiment pour faire des peintures, mais les passages en vidéo ont fait. L'examen éditatif, alors, la façon de laquelle je l'ai fait aussi, j'ai un camion en fait, un boxeur, donc je me suis accouché sur la. J'ai mis un tatami sur le camion en fait, et je me suis couché dans le tas, je suis arrivé pour 1m50 de toit, donc avec la caméra. Et on s'est replacé un mardi, parce que le mardi il y a plus de machines, il y a très peu de gens. C'est très très sale, c'est pour le voir, il y a vraiment beaucoup de des gens très. Il y a beaucoup de sapés, des gens qui cherchent des mots, qui sont jetés là, donc il y a vraiment beaucoup de gens quand même. Donc j'ai laissé le centre du lieu, j'ai rien foutu en fait. Le son que vous trouvez au départ, c'était le son du camion qui provoquait ça en fait. Bon, on est passé, donc comment ça s'est fait? J'ai cité le site plusieurs fois, comment ça se trouve, il y a tellement de traces. Et ça, le tableau en fait, vraiment, il est là. Et un jour, j'étais en train de fumer et on voit le camion arriver. Et en fait, le mystère était reçu. C'était un camion avec une pelle donc de métal qui dépassait en fait, vraiment qui dépassait. Et du coup, il passait pour aller à la déchetterie qui était de l'autre côté. Et comme il faisait tellement de passage, bah, il a fait. Donc, suivre la ligne, voilà, c'était un peu ça aussi. Moi, je me perds pour ces petites lignes, en fait, pour ces petites pièces en fait, qui sont là. Et là, je parle, je lâche un peu la chose, mais voilà. Il y en a 8 passages, et c'est vraiment 8 sections du plafond que j'ai fait. Et ça s'appelle Passing of the. False pose. Parce que en fait, j'avais plein de théories et que je repoussais tout le travail de repérage. J'avais plein de théories comment ça s'était fait. C'est en fin, quand j'ai vu le camion, j'ai compris que comment c'était fait. En fait, c'était par la volonté du camionneur qui veut rajouter encore plus, qui dépasse le bois permis. Donc, c'est vraiment des coups des bouts de métal qui sont différents. Donc voilà, c'est un peu. Je vais enlever le volume pour savoir si vous avez des questions. C'est la dernière. Donc voilà, c'est un peu ma manière de dessiner, de faire la peinture.
le voit plus de cette manière-là. C'est pas une statique. C'est pour ça que, justement, c'est pour ça que je copie pas avec un projecteur. Ça m'intéresse moins de faire vraiment la copie exacte. Ça deviendrait trop illustratif.